Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers inconditionnels de Gao Info, merci à vous et bienvenue sur votre émission Invité du jour. Invité du jour reçoit ce jour Monsieur Abdou Maïga. Abdou Maïga, il est promoteur de Technocib BCG Gao, l'une des premières grandes écoles de la cité des Askia. Monsieur Abdou Maïga, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Abdou Maïga en réalité? Bon, il n'est pas facile de parler de soi, et moi c'est comme l'avait dit Moussa Maïga, je suis natif de Gao, je suis enseignant universitaire et promoteur de l'école d'enseignement supérieur Technocib BCG. J'ai fait mes études fondamentales à Gao, à Makala, puis le lycée de Sougou. Après j'ai eu la chance d'aller à l'étranger, et précisément en Tunisie où je suis resté 18 ans. Je suis rentré définitivement au Mali en 2006. 2006 à 2015, j'étais à Bamako. J'enseignais dans les écoles d'université. Aussi, j'avais un bureau d'études. À partir de 2015, je pensais que le moment était venu d'aller m'installer définitivement à Gao et m'investir principalement dans le domaine de l'éducation. De l'éducation, l'idée, c'est comme ça que l'idée de créer une université, surtout dans une zone vraiment en proie à l'insécurité. Bon, l'idée de créer l'université, je crois qu'elle est très ancienne. C'est déjà quand j'étais étudiant, je suis presque convaincu que j'irais me vivre à Gao. D'ailleurs, ce qui m'a empêché d'aller à l'aventure, parce que là, tu me dis, il y a beaucoup d'amis qui partent au Canada, qui partent en France. Je tenais tellement à aller vivre à Gao que je me disais non, ben, je suis rentré au Mali, à partir de Bamako, préparer mon retour à Gao. Et comme j'étais enseignant déjà en Tunisie, je me disais que il était tout naturel de penser d'abord à m'investir dans le domaine de l'éducation. Maintenant, en revenant à Gao, je crois que une grande ville comme Gao, même en période de paix, mérite d'avoir des établissements d'enseignement supérieur à plus forte raison avec la crise. Donc je suppose que s'investir dans le domaine de l'éducation, comme d'autres l'ont fait avant moi, le docteur Amada, le docteur Gassouman et bien d'autres, et je crois que ça ne peut être que bénéfique pour le retour de la paix définitive dans le Mali. Monsieur Maïga, est-ce que vous pouvez nous parler est-ce que vous pouvez nous parler de votre université? Bon, Technocib BCG, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui a ouvert en 2015 et avec le concours de d'autres cadres de la région. Nous sommes 6 à se mettre ensemble et concrétiser cette idée. Et c'est une école qui œuvre principalement, sinon exclusivement, dans le domaine des sciences de gestion et de technologie. Ok. Mais connaissant la concentration également des enseignants du supérieur à Bamako, comment vous arrivez à gérer la question des enseignants au niveau de Gao? De loin, les gens pensent toujours que Gao est un désert en termes de cadre, mais en réalité, moi-même, j'ai été surpris. Et il y a de quoi pouvoir faire fonctionner l'école supérieure. Il y a des cadres dans les différentes banques, il y a des cadres dans les différentes administrations, il y a des cadres dans les différentes ONG, il y a des cadres dans des structures comme l'administration et bien d'autres. Donc, nous nous appuyons principalement sur cela. Et quelquefois, on se fait appuyer par des enseignants qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent de Bamako principalement. Donc, certes, il y a des difficultés, mais je crois que ces difficultés... On va en parler très bientôt. Je parle dans le sens des enseignants. Les enseignants, ok. Ce sont des enseignants, il y a des difficultés au niveau de la mobilisation des enseignants. Mais je crois qu'on a suffisamment sur place de quoi faire fonctionner un établissement d'enseignement supérieur dans le domaine des sciences de gestion. Et tout ce que nous utilisons comme enseignants ont au moins leur master. D'accord. Ils sont tous détenteurs de master. Master. Okay.
Monsieur Maïga, de 2015 à maintenant, vous êtes à combien de promotions pour Technosud BCG de Gao? Bon, nous on a ouvert en 2015 et quand on a ouvert avec toutes les classes. On a ouvert la licence 1, licence 3 et on a ouvert avec les masters. Donc on a commencé à avoir des diplômés déjà à partir de 2016. Donc de 2016 à maintenant, donc, il faut compter, je crois qu'on est à 6 promotions. Mais Monsieur Maïga, quelles sont les filières qui sont disponibles au niveau de votre université à Gao? Bon, je disais tantôt que nous sommes dans le domaine des sciences de gestion. Donc on a les finances, on a la comptabilité, on a la gestion d'entreprise, on a le marketing communication, on a la logistique, on a la GRH, on a la gestion des projets, on a aussi informatique de gestion. Et nous sommes disposés à élargir, ça dépend de la demande. D'accord. Chaque fois qu'il y a de la demande, vu les partenariats que nous avons avec d'autres établissements, les curriculums sont déjà prêts. Donc dès qu'il y a de la demande, nous sommes toujours disposés à ouvrir, à condition qu'on soit sûr qu'on a les compétences au niveau de localement pour pouvoir assurer le minimum de qualité. En termes de nombre, on peut dire que vous êtes à combien d'effectifs de la création maintenant vous avez formé combien d'étudiants? Former ou bien les effectifs actuels? Effectifs actuels ou formés? Oui, donc nous avons ouvert en 2015 avec 38 étudiants et je n'ai pas les effectifs de cette année, mais nous sommes autour de 300-400 étudiants. Et le nombre d'étudiants formés, c'est en moyenne, il y a une cinquantaine par an. Donc on peut dire 350 à peu près. Une cinquantaine par an, licence et master compris. Vous formez, est-ce que vous suivez vos étudiants après les études? Bon, nous ne les suivons pas de façon, je dirais, formelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'outil, on attend d'y penser, mais nous sommes en contact avec la plupart, surtout ceux qui sont utilisés localement. Nous savons leur progression, nous les invitons même à venir gratuitement et à se recycler. Chaque fois qu'il y a un nouveau module qu'ils n'ont pas vu, ils peuvent venir suivre, ils peuvent venir se perfectionner. Nous continuons à rester une famille. D'accord, M. Maïga, vous avez, après l'université, je veux dire après l'enseignement supérieur, vous avez créé un lycée, puis un second cycle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, effectivement, déjà quand j'ai ouvert en 2015 au niveau de l'université, c'était pour répondre à un besoin immédiat, certes, mais c'est aussi essayer de relever le niveau de la qualité des enseignements ou des structures localement. Donc déjà, je savais que progressivement, je devais avoir les autres niveaux d'enseignement. Donc après l'université, on a ouvert le lycée en 2019 et nous avons eu nos premiers bacheliers cette année. Et cette année, c'est le second cycle qu'on a ouvert. Et peut-être dans quelques années, on sera jusqu'au niveau du préscolaire. Mais les taux de réussite au niveau du lycée, est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous avez dit que vous avez déjà eu vos premiers bacheliers l'année scolaire 2021-2022. Quel est le taux de réussite à votre... Bon, les taux de réussite déjà au niveau des classes intermédiaires, au niveau des 10e, 11e, nous n'avons pas 100% de réussite parce que chez nous, ce n'est pas forcément faire passer les gens. Il y a des redoublements en 10e, il y a des redoublements en 11e. Mais c'est des taux très faibles, c'est 2-3 élèves qui échouent. Maintenant, au bac cette année, nous avons présenté 21 candidats et 16 ont reçu le bac, avec des mentions aussi pour certains. Donc on a eu à peu près un taux de 76%. Un taux honorable. Et le lycée s'appelle Les élites. Et le groupe scolaire, enfin, le groupe, je veux dire, le cycle secondaire, pour aider l'enseignement fondamental. Oui, les élites aussi. On dit le lycée Les élites pour le lycée et le collège Les élites pour le second cycle. La particularité de notre lycée, c'est que c'est un lycée à 100% privé. Donc nous n'acceptons que
ce que les parents même nous ont amené. Donc, vous ne recevez pas d'étudiants, des élèves de l'État? De l'État, non, okay. Nous ne les recevons pas, non pas par exclusion quelconque. C'est uniquement pour pouvoir mettre un règlement intérieur auquel les parents ont adhéré. Okay. Donc nous tenons énormément sur la discipline, et sur la motivation, sur le comportement de l'élève. Et pour cela, nous avons dit qu'il faudrait que les parents s'engagent. Et pour avoir l'engagement des parents, nous avons donc dit qu'on ne reçoit pas ce que l'État envoie. Donc vous avez des contrats avec les parents? Nous avons des contrats avec les parents. Ils signent le règlement intérieur avant l'inscription de leur enfant. Okay. Et ils sont obligés de suivre l'enfant au quotidien parce que nous les informons de toutes les évolutions par rapport à l'enfant. Au-delà d'être un lycée à 100% privé, c'est aussi un lycée à vocation scientifique. Nous n'avons que les filières scientifiques, la TSE, la science expérimentale et la science économique. Très intéressant, monsieur Mbaïga. Et les perspectives pour le groupe, je veux dire le groupe Technosib BCG Gao, dans l'avenir, qu'est-ce que vous proposez? Bon, les perspectives pour le groupe, comme je vous le disais, c'est continuer à améliorer la qualité de nos cours. Et c'est essayer d'avoir l'ensemble de la chaîne, du préscolaire jusqu'à l'université. Et c'est surtout donner le goût des études à nos enfants, à nos petits frères, à nos neveux à partir de la région. Parce que il faut le reconnaître que Gao n'est plus ce qu'il était quand on était jeune en termes d'amour des études. Et vos rapports avec l'administration scolaire au niveau local? Oui, ça se passe très bien et nous sommes encouragés, nous sommes soutenus, nous sommes écoutés et vraiment nous ne pouvons que leur dire merci. Monsieur Mbaïga, il n'y a pas une entreprise sans difficulté. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés de votre groupe scolaire? Je veux dire de votre... Bon, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'entreprise sans difficulté au point que les difficultés que nous rencontrons, nous les trouvons normales. Donc, on ne les voit même pas comme difficulté. Parce qu'il faut chaque fois se remettre en cause, il faut chaque fois chercher à améliorer. Mais la difficulté principale, c'est au niveau de la mobilité de nos ressources humaines. Je vous disais qu'il y a des cadres, mais c'est des cadres qui sont très mobiles. C'est des gens qui sont en poste aujourd'hui, demain ils sont affectés ailleurs, c'est des gens qui viennent pour des contrats limités, demain ils sont... Donc, chaque fois, pour la plupart, il y a renouvellement. Donc c'est une des difficultés. Et l'autre difficulté, c'est l'enclavement de la région, de la ville. Et nous avons un réseau d'enseignants au Niger et surtout à Bamako, des collègues enseignants qui seraient prêts à venir nous épauler. Mais malheureusement, compte tenu de la situation d'enclavement de la ville, et cela n'est pas très exploitable pour l'instant. Et même au moment où je vous parle, ce matin même, il y a un de nos professeurs qui doit se rendre à Gao pour nous appuyer pour un mois. Et donc ce sont ces types de difficultés que nous rencontrons généralement. Mais monsieur Mbaïga, est-ce que vous avez des regrets après avoir tout abandonné pour aller vous installer? Ah, regrets, non, au contraire. Et quand je me regarde dans le miroir, je suis fier de moi, je me dis que je ne pouvais pas avoir meilleure décision que venir et épauler parce que je vois combien de gens ces structures ont pu soulager. Il n'y a pas que ma structure, il y a encore une fois d'autres structures, les structures de Dr Amada, les structures de Dr Agassouma, pour ne citer que ces deux-là. Donc nous sommes là-bas, nous participons à l'instauration de la paix, nous fixons les gens sur place et donc pas de regrets du tout. Avez-vous un appel à l'endroit de l'administration, des parents d'élèves et de l'ensemble de la population de Gao qui nous suit à travers Gao Info en ce moment? Bon, à l'endroit de l'administration, pas tellement, parce que je crois que l'administration, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Peut-être, si on dit l'administration, peut-être les autres autorités pour qu'elles mobilisent davantage les ressources qu'il faut pour ce secteur qui est la base de tout développement. Maintenant, les parents, oui, beaucoup de parents pensent que s'occuper des enfants, c'est les envoyer à l'école, c'est les acheter les cahiers, c'est les acheter les motos. Nous le disons de s'impliquer davantage. Et les enseignants ne peuvent pas tout faire, les écoles ne peuvent pas tout faire.
le gros du travail sur le suivi à la maison, c'est voilà. Donc si j'ai un appel à lancer, c'est cela, demander aux parents de s'impliquer davantage dans l'éducation de leur enfant. Un dernier message à l'endroit de nos inconditionnels. Bon, je crois que c'est le même message que je viens de lancer aux parents, c'est de dire qu'on soit parent, qu'on soit jeune frère, qu'on soit grand frère, soeur, cousin, il n'y a pas mieux qu'investir dans l'éducation. Moi, personnellement, je ne vois pas un investissement plus porteur et même plus indispensable que le domaine de l'éducation. Donc, nous leur disons investissez dans la formation de nos enfants. Merci, investissez dans la formation de nos enfants. Nous étions avec M. Abdou Maïga. Abdou Maïga est le promoteur du groupe TechnoSup BCG Gao. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur Gao Info avec un autre invité du jour. Merci.